Salut à tous, c'est Sarah et je suis avec Sandarinette pour un nouvel épisode de Pocket Morty, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné, nous en fait c'est pour ça que la semaine dernière vous n'avez pas eu d'image de cet épisode en teasing à la fin, comme d'habitude. Donc là voilà, il va falloir qu'on tourne, il va falloir qu'on se remette dedans, ça va être cool. On vient de récupérer nos Morty qui étaient à la crèche, on vient de replacer de l'argent, de récupérer aussi, donc on se rend compte qu'on a beaucoup de thunes. Là je viens d'acheter Des objets, des sérums puissants, hein, parce que les sérums normaux maintenant ça ne sert plus à grand chose. Ouais. Vu la quantité de PV qu'on met Morty maintenant. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec la crèche, comme d'habitude j'ai augmenté mes Morty, mais du coup, alors le petit souci que j'ai, il va falloir que je règle ça, hein, c'est que mon Morty de base est niveau 14. Alors que tous les autres sont 17, 18, 19 et 23 pour Morty Tansia, parce que voilà. C'est le best, dans le dernier épisode on l'avait fusionné. Donc du coup, c'est un petit peu pénible, mais j'ai pas trop le choix, parce que je peux pas le placer à la crèche en fait, du tout Morty, on peut pas l'enlever de son équipe. Ouais. Donc du coup, il va falloir que je le up hors caméra, en battant des dresseurs, bon voilà. Up and down. Et ce qui se passe là, c'est que du coup, bah, on va pouvoir battre un membre du conseil. J'espère qu'on va réussir à le battre. C'est pour ça que j'ai racheté des sérums. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'on avait une petite mission juste au-dessus là. Donc, j'ai vu ça en achetant. Donc, je me suis dit, bah, attendez, on va regarder ça. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il nous demande, le petit coco. C'est vrai que je voudrais faire des brownies pour mes Morty. Je voudrais les remercier pour tous leurs efforts. C'est bien. Hein. J'ai entendu dire que les brownies au chocolat noir, avec une petite goutte de flip purifié, peuvent faire des miracles pour leur endurance. Je peux fabriquer du flip purifié, oui, mais est-ce que c'est facile à fabriquer? Non, t'en as du flip. J'en ai. D'accord, je sais pas si ça coûte cher, mais bon, je vais le donner. Je sais pas ce qu'il va me donner en échange. Un œuf bizarre? Mais je ne sais pas quoi faire pour qu'il éclose. Peut-être faudrait lui donner plus de temps. Un Morty ovoïde. Oh what? Oh, trop cool. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre dans son équipe ouais, pour qu'il évolue que comme dans Pokémon. Bah, on va se renseigner pour le prochain épisode, mais. Bah, je pense. Sinon, ça serait pas drôle, tu vois. Ouais, mais ça, c'est ouf. Bah, on va voir. Pour l'instant, on le laisse là, et puis on va essayer de battre le membre du conseil, comme on a dit. Mais c'est assez intéressant, c'est cool, c'est un nouveau truc, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des nouveaux trucs comme ça. Donc, qui c'est qu'on va se battre là? Le cheveu long comme ça? Alors, c'est Maximums Rikimus. Bah, Maximums Rikimus. On s'amuse bien à étudier ton histoire avec le piston portail, Eric. On pliera peut-être un livre là-dessus. D'ailleurs, il y a un pistoportail taille réelle qui est à vendre sur popinabox.fr, .co.uk et .com, et on a hésité à l'acheter avec Sandar, mais Sandar m'a dit non, on n'a pas d'argent. Non, j'ai pas dit ça, moi, c'est pas ouf. Taille réelle. Par contre, il fait très plastique. Hein, après, il est à 20€, hein, donc. Ah, mais d'accord. Voilà, mais il est taille réelle, quoi, donc. Morty Veneux, alors on se rend compte qu'on est sur des niveaux 17, donc ça va sûrement le faire. Donc si on est sur un type ciseau, donc on va prendre forcément un type pierre. Et puis on va essayer de battre ce Rick. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, on prend pas, il fait pas de vrai portail. C'est pas faux. Si il faisait... Oh non! Ah oui, le argent. Waouh, trop classe! C'est l'évolution du hippie. Enfin, je pense, ouais. C'est hippie? Ouais, je crois. Le pacifiste, ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il y a l'évolution, le hippie. Donc ça se trouve, c'est la troisième évolution, parce que ça existe. Ouais, hein, je sais bien. Mais, peigne, alors j'espère qu'il va pas l'utiliser. L'utiliser hippie. Parce qu'on va... Bon, on le fait quand même mal, ça va. Vu ce que lui nous fait, ça va. Ouais. Très bien. Peigne. Ouf. Hop. Bordel de. Que j'ai fait. Oh la vache. Oh man. Ça va être combien de PV, Peigne? Ouais, en deux coups. Ça va, c'était un sérum petit. Hein, ok, il l'a rappelé, c'est pas grave. Donc là, j'utilisais Peigne, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Alors, on va changer. Petite pierre, on va prendre Morty Gluant, je veux garder vraiment mon Morty Tensia au cas où, hein. J'aime bien garder vraiment, avoir ça me rassure aussi, d'avoir cette carte à jouer en fait. Et on sait dans... Excuse-moi, vas-y. Pardon, et puis même pour les autres, pour les faire évoluer. C'est vrai, il faut mieux donner de l'XP, effectivement, t'as raison, au plus faible niveau.
Et je disais oui que stratégiquement, en fait, moi je pense hein, que de garder entre guillemets le moral dans un combat, c'est très important. Donc se dire, on a quelqu'un, je sais pas comment dire, c'est pas le moral, mais voilà, garder le. Oh, un bien, bonus, bien. Enfin, ouais, se garder un bonus, on sait que ça nous. On a plus confiance en soi et on gagne plus facilement. Putain, c'est trop cool. Morty Venus, c'était un type ciseau. Donc on va changer pour un type pierre. Parce qu'il se coupe les veines. C'est ça. Down. Du bleu partout sur la tête, c'est beau. Hein. Ah, c'est magnifique. disparition. Ça va. Ça va. Coup critique en plus, donc ça va. Ah, il est niveau 19, tiens. Ah, bien, bien, bien. Et il a 5 mortis. Hein. Mais je pense franchement qu'on n'est pas en mauvaise posture. Je pense qu'on va les battre assez. Bah là, déjà, t'en as eu 2. Et presque 1. Il reste, bah lui, il reste plus rien comme vie. Donc on va continuer avec le morti débraillé. On va lui faire une attaque type fléau, bah type normal quoi. Ah merde, j'avais pas pensé à ça par contre. J'avais pas pensé à ça. Là j'ai mal joué. Ouais. Je me suis dit bah ça va passer, on s'en fout, que ce soit pas le bon type. Donc Prends ton morti pour le faire augmenter vu que c'est juste un coup. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée mais... On va voir mais je n'y crois pas trop. Ouais. Oh putain, on a de la chance. Je suis pas sûr de le battre. Ah si, bien joué. Donc là, effectivement, on va gagner beaucoup de niveau. 635 dix, voilà. C'est grave. Merci qui ? Merci Jackie Michel. Oh non, fais pas ton beau. Waouh ! Oh le marteau ! Pierre, moi je dis. Ouais. Ouais, raison. 19 quand même. Alors là, j'ai fait exprès de laisser un petit coup au morti. Pas changer tout de suite, pour qu'il gagne un peu d'XP. Je viens de me dire là, c'était pas une mauvaise idée. Alors c'est risqué. Parce que là, du coup, on perd un tour à chaque fois. Mais je me dis, on va y arriver, on s'en fout. On prend des petits risques. Oula, c'est une... Ouais, c'est mal parti, quand même. J'ai pas envie de... Non, mais c'est mal parti pour lui, mais lui, on s'en fout. On s'en fout, j'ai d'autres mortiers en attendant. Oui. On s'en fout. Il se fait mal. Toujours, en plus, tout va bien. Et son attaque, sa deuxième attaque ne fait rien du tout. Donc, tout va bien. Par contre, s'il enchaîne les deux attaques, super. Il est super puissant. Ah, niveau 19, quoi. Oui, mais bon, c'est un pierre, t'es papier, t'es niveau 19 aussi. Là, c'est chaud. Non, c'est normal, c'est un niveau 19. Et c'est puissant, les niveaux 19. C'est beaucoup. Allez, on va tenter la division cellulaire. Ouais, je le savais, je l'ai senti qu'il fallait que je fasse l'autre. Je l'ai senti. Ouh, je l'ai senti. Putain, très bien ça. Ah. Putain, magnifique quoi. Magnifique ce morti. Pourquoi il a des trucs de ouf lui? Niveau 20. On va sortir notre type... C'est un type quoi? Papier? Non, ciseaux. Ok. On va utiliser Alzinger. Un coup critique, hein. Ça arrive. Ça arrive. Dans le milieu, ça arrive. Peut-on utiliser un Alzinger, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Alors, un petit Alzinger pur. Sur notre petit, je sais plus ce que c'est un type ciseau. Ok, sur notre petit morti débraillé. Et voilà, ça fait plaisir. On change, on prend notre petit type pierre. Et nous allons attaquer. Get him, Morty. Ah merde, il va faire deux attaques de suite. Ça, c'est un peu mortel, mais bon, c'est comme ça. Disparition. Why are we doing this? Ouais, ça va le faire, c'est cool. C'est cool. On reprend du poil de la bête, comme on dit. On a une Sandar qui ne parle plus. Je suis à fond dedans, j'ai peur pour les mortiers, en fait. Moi, je suis confiant, mais comme d'habitude. Et la plupart du temps, du coup, je gagne. Voilà. On peut le dire. On peut le dire que la plupart du temps, je gagne. Des fois, on est d'accord. D'un petit coup, tu vois, et c'est fini. C'est vrai, mais là, en l'occurrence, nous sommes en très bonne posture. Il ne lui reste plus qu'un morti et moi deux. Donc... T'as fait monter de deux niveaux ton morti. Exactement. Mais ouais, c'est toujours pareil. Avec les membres du conseil, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que tu te fais des niveaux, mais hyper faciles, quoi. Ils donnent beaucoup d'XP, quoi. Ouais. C'est cool.
Mais c'est ridicule ton attaque, mon petit gars, ridicule. Ah non, par contre, c'est chiant ça. De suite. Je suis désolé, mon petit Morty multiplié, mais je crois que tu vas perdre assez facilement. On met ça sur un tout court. Ah non. C'est Cranios, puisqu'il fait deux attaques de suite. Ouais. C'est Cranios. Je peux jamais, il est trop rapide, je peux jamais faire une attaque. Tu vois là, je vais essayer de faire disparition. Paf, il va me faire oscillation. Et s'il fait un coup critique. T'es lent, t'es lent. Je suis lent, mon Morty est lent. Non mais c'est vrai, mon Morty est lent. Oh bah, nickel. Objet. Le petit sérum puissant. Les sérums, je les ai achetés pour ça en même temps. Ça coûte rien du tout, les sérums puissants en plus. Ça coûte vraiment que dalle. Donc, c'est le but, hein. C'est une strat comme une autre d'utiliser des objets. On n'a pas trop le choix, hein. Il est niveau 20. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Pas de coup critique, pitié. Mais c'est bon. Et là, on va faire beaucoup d'XP pour mon Morty débraillé. Et ouais. Ça, c'est cool. Il va vraiment avoir beaucoup d'XP. Il a combien? Et essayer de déverrouiller. Level up, Morty to level 20. Ah, je sais pas du tout combien et il a 700 gagné. Et quelques qu'il a eu de... Merci, pardon. Je n'ai pas vu. Du coup, coup de tête, 8, bien, nouvelle attaque. Ah oui, la vache, ça fait vraiment beaucoup. Et on a un nouveau badge. Ouais. Et ça, c'est cool. Et Milch Makers. C'est ton premier Morty niveau 20 naturellement. C'est ça. Une méga graine de niveau. C'est cool. Un coupon Blitz and Kings. Le truc le plus intéressant du jeu. Bah, je trouve, ouais. Parce que c'est du hasard, mais c'est cool, c'est de la loterie. C'est... En plus, c'est du... C'est des gachapons, donc c'est marrant. C'est le côté Japon, quoi. Gagne 6 badges supplémentaires, ok, bah on va aller faire ça. Ah bah oui, c'est de plus en plus ça, ça, on a bien remarqué depuis le début du jeu. À chaque fois, c'est un de plus, quoi. On en a vraiment marre à chaque fois, au bout d'un moment, c'est-à-dire que le dernier, ça va être... gagne 172 badges. 1000. Parce qu'il nous en reste beaucoup, même du conseil, il nous en reste 4 à battre. Hein, pour avoir fini le conseil. Et bah, 7 après, 8... Bah, ce sera 10, le dernier. 10 badges. Ce sera 10 le dernier. Ouais, c'est ça. Théoriquement, oui. À moins qu'il rajoute encore un autre multiplicateur, tu vois. Ouais, bon, bah, on va. Alors, normalement, c'est hors caméra qu'on fait ça. Mais là, du coup, je vais aller battre des Rick. Et du coup, ben, je pense que pour le prochain épisode, par contre, je les battrai hors caméra. Voilà. Voilà. Je viens de le dire. Donc, on va essayer, comme d'habitude, de faire la strat au plus simple. Alors, en battant le moins de Rick possible. Alors là, on a une petite ficelle. C'est un câble, voyons. Tu n'as ah, je n'ai plus de place dans ton sac. Bon, tant pis. Alors ici, je peux pas passer. Ah, t'as vu, c'est... C'est un... Comment il s'appelle, son papa? Pas Joey, mais... Jeff. J'ai quelque chose, non? C'est ouais, pas J quelque chose. J quelque chose. Donc il y a le Angry for Apple, j'en ai rien à foutre. Mais on l'a déjà vu plein de fois, ce dresseur-là. Ah bon? Bah oui. Ah, je sais pas, je suis pas là. Bah si. Tu m'avais déjà dit la même chose la dernière fois. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Mais si, tu t'en rappelles. Mais t'en... si, c'est possible. Avec le truc, tu t'en rappelles. Alors, 240 Schmeckels, un sérum sensationnel, un truc de jus turbulent, bien. Sympathique. Bonne boîte. Bonne boîte. Bonne boîte. Ok. Ah, non, 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 t'as vu, un Morty trop bizarre. Oh. J'ai vu un Morty trop chelou. Un Morty trop chelou. C'est chelou, ce Morty. De toute façon, qu'il a de taper bébé. Oh, Morty le magicien. Je vais pas tout choper, hein, j'ai déjà dit. Ça sert à rien d'aller par là. Morty vieux, ça sert à rien non plus. Par contre, je chope plein d'objets, j'arrive à éviter tout. Ouais. C'est trop marrant. Là, j'ai plus de place non plus pour le flip, super. Je peux passer ici. Il y a un deuxième magicien, donc je sais pas du tout si. Ah, par si contre, lui. Pardon. Je sais pas du tout ce qu'il me faut, mais non. Eux, il me les faut pas. T'as évité tout le monde. Bah, j'ai trop géré, hein, franchement. Y a rien à dire. Oh, il y a des pizzas, il y a plusieurs pizzas. Bon, bah, on va le battre direct. Hein. Par contre, j'aimerais bien choper des Morty sauvages qu'il me faut, alors par contre, je sais plus du tout ce qu'il me faut, quoi, je... Et bah, tu bats ton Rick, ouais. On retourne après, on regarde ce qu'on a dans la crèche, et... Ouais, mais même si on regarde ce qu'on a dans la crèche, tu vois, je veux pas faire évoluer tous ceux que j'ai dans la crèche, je veux faire évoluer les hauts niveaux, là, tu vois, ceux qui m'intéressent, quoi. Mais tu regardes ce qui est...
ceux qui sont intéressants. Ouais, ouais, d'accord. Check. Ouais, je check. Check. Ouais, je comprends. Je fais un check. Ouais, je fais un check, quoi. Tu secoues ton cul. Ouais, je secoue mon cul, ouais. Donc j'essaye de battre toujours le maximum de Morty avec... Ah ça c'est bâtard ça. En plus c'est impuissant. J'essaie de battre voilà, le maximum de Morty avec mon Morty de base, comme ça bah... Comme ça, c'est ça. Toujours le même délire. Parce que là il est niveau 16 quand même, donc c'est pas si mal hein, ça. Il a bien augmenté déjà de 2 niveaux, voilà, effectivement, comme tu l'as dit dans ce qu'on a dans le combat qu'on a fait juste avant. Ouais. Et du coup c'est vrai que là il est plus qu'à un niveau du dernier de mon équipe. On continue avec lui. On va prendre un objet, on le soigne, on va vraiment s'occuper de lui, on lui met un maximum de plaisir dans la tête. Un petit plaid, comme ça. Un petit bien. Plaid, il va... voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Un petit chocolat chaud. C'est ça. Et des chamallows. Oscillation, voilà. Ça fait mal, c'est bien. C'est très bien. On continue avec les petits objets, un petit sérum. Sur notre petit Morty, on utilise le petit objet, il est content. Ça l'augmente sa vie, il est heureux, il fait vraiment rouge. Je peux l'attaquer encore un coup, lui faire un petit fléau. Zgreng. Ça se dit dans le milieu, hein. C'est Zgreng qu'on dit. Il va mourir. Ah, même pas. On lui fait oscillation, il ne rate pas son attaque car il est sympathique. Paf, il repète du niveau. On est au top, on est au top. Voilà, maintenant c'est fini. Oh, Marty le chien, c'est trop bien. Ça fait trop penser à BoJack Horseman. Ouais, à Mr. Peanut Butter, hein. Changer. J'ai pas vu ce que c'était comme type. T'as vu ou pas? Bah, on voyait pas. On voit pas, bah exact, mais je suis con. Mais t'as pas tort. Ah, moi je dirais type ciseau. Un chien. Je sais pas. J'aurais dit pas. Ah non, t'as raison. Bah, gosse, il a le collier, t'as vu? Est-ce que le collier que je pouvais faire. Il sert à ce chien-là. Est-ce qu'il permettait de le faire, je sais pas, à faire évoluer, genre c'est un objet un peu unique, tu sais, tu mets sur un Morty, il transforme en Morty le chien. Ah, c'est possible, hein. Je sais pas du tout. Tu l'as fait du coup. Tu l'as donné. Oh non, 3. 3. Ça va. Ah, c'est chiant, le truc, comme ça. Et il t'en faut un Morty qui fasse ça. Oui, après, c'est pas forcément très utile. Hein. Le chien est confus. Okay. Allez, la pizza. Ça, c'est le type papier. Parce que le carton de la pizza. Non, parce que c'est fin. Ah non, type ciseau. Bah non, tu coupes la pizza au ciseau. C'est connu ça. Oh, ça me fait marrer les gens qui font ça. Il y a même des ciseaux spéciaux hein, pour couper la pizza. C'est quelque chose. Ça existe vraiment. C'est une religion. C'est ça. Moi, je suis la team couteau. Je fais pas partie de la team roulette, je fais pas partie de la team ciseau, je fais partie de la team couteau. À l'ancienne, c'est ça. Dites-nous dans les commentaires. Quel team vous êtes? Disparition. Il a faim avec ce pizza. Il a dit oh oui. Ah mais il est puissant carrément. Bah là si je mets pas un puissant, là il est même pas toute sa vie avec un puissant. Donc En compte. Trop easy de le battre, mais trop easy quoi. Je suis le meilleur. Alright, Morty, way to go. T'as deux fois le même, c'est chiant. Eh oui. En preuve, moi ça me dérange pas. Au contraire, hein. Moi je connais ses attaques. Coup de tête. À gauche. Oh la vache. Critique. Arrête de critiquer mon jeu. Ah. C'est drôle. Ah. Ça valait le coup. Grave. Et c'est vrai qu'il est malin, du coup, c'est dit, tiens, je vais faire un truc bleu. Continuez. La fameuse méga graine qui se met dans le cul au début de Rick and Morty, le dessin animé. Tout à fait. Qui se cache dans le cul. Qui cache dans le cul de son petit-fils. Ok, super génial. Ok, on va aller voir du coup ce qu'il nous faut comme... Wow. Si, le bug au top. Il faut aussi que hors caméra, je combine des objets. Parce que là, je me rends compte que j'ai plein de flibs, plein de machins. Et en fait, bah, on va regarder vite fait, peut-être, mais j'ai. Mais ça m'énerve.
Ah là là. T'énerve pas. Non mais le jeu, il est bugué de partout, c'est un truc de ouf. Faut que je regarde la recette. Est-ce que j'ai des recettes de... Alors j'ai le sérum, ok. Et j'ai pas le sérum puissant. Ah, le sérum, faut quand même une pile. Ça c'est un peu chiant, parce qu'il en faut une pour la puce manipulatrice. Par contre, du coup, alors, c'est vrai que là, j'ai des flibs à outrance. Et le flib purifié, ça sert à quoi ? J'ai des flibs à outrance. Ah, un colis pour chien, tu peux le refaire facilement. Ouais, mais je sais pas si ça me sert à quoi. À quelque chose. Donc, j'ai des flibs qui... Alors, qu'est-ce que j'ai en énorme quantité ? J'ai pierre plutonique. Ah, mais ça, c'est un objet, ok. C'est pas un objet de fabrication. Non. Ok, alors, j'ai du flib. À outrance. Et si je le mets avec une cellule bactérienne, ça fait quelque chose ou pas? Ah, bah alors, on va fabriquer pour voir ce que c'est que ce nouveau truc. Comme j'en ai plein, autant utiliser, parce que c'est... j'en trouve et puis je peux pas le prendre, donc c'est un peu énervant. Une boule d'énergie sombre. Ok. Alors ça s'est mis où les boules d'énergie sombre? Ah, dans les trucs là. Repousse la matière. Nanana. J'ai beaucoup de câbles aussi. Donc si j'utilise un câble avec... Une matière sombre. Matière sombre, tu dirais? Je sais pas, essaye. Boule d'énergie sombre, tu dirais? Oui. Excuse-moi. Ah, faut... Marche à pas. Mon avis, il faut trois trucs. Quand tu fais déjà un truc avec deux trucs, il faut trois trucs après pour faire un truc. Est-ce que j'ai été clair à ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Non, mais si, j'ai compris. Mais non, mais j'ai compris, mais je suis pas d'accord. Ah. Ah, c'est tout, je suis pas d'accord. Je tiens à le dire. Jamais d'accord. Jamais. Jamais content. Toujours vivant, j'aime toujours la banane. Bon, rien qui marche. Bon, d'accord. On a appris une nouvelle recette au moins. Donc allons voir nos mortis. Donc on regardera sur internet parce qu'on est lâche et faible. Bon, c'est pas ça, mais c'est parce que ça se joue comme ça. Alors, à la crèche de mortis, voyons voir ce qu'on a dans nos decks. Ok. Alors, modifier. Alors, on a donc où le morti, la côtelette, ça on a bien vu. Je sais pas s'il peut évoluer. Tu bailles encore toi? Non, pas du tout. Ah ouais, j'ai cru. Hein. Morti gluant, qui est de type maximum, je crois. Le morti débraillé, donc ça, il nous en faudrait un deuxième. Mais je crois qu'on avait dit que c'était déjà une évolution, le morti débraillé. Je me rappelle plus du tout. Non, il faut le faire évoluer, c'est le robot, après, c'est le clochard. Ok, il faut qu'on trouve un deuxième morti débraillé. Après, dans les niveaux assez hauts, on a le morti loup-garou, mais je suis pas sûr qu'il évolue pas. On avait vu qu'il évoluait pas. Le morti ombreux, pourquoi tu ne joues pas celui-là? Ah, je sais pas, parce qu'il est niveau 14. Le morti la fourchette. Ouais, non, y'a rien qui m'intéresse de faire évoluer derrière, quoi. Y'a rien qui m'intéresse. Moi, ce que je veux vraiment, c'est morti débraillé, quoi. Morti débraillé, puis essayer de retrouver un des mortis qu'on a là, quoi. Ça, c'est ça, hein, c'est ça en fait, hein, qui m'intéresse. Moi. Je sais pas si je les ai soignés déjà. Si. C'est bon, bah. Hop, on se casse, on a déjà le soigné. Salaud. Ouais, donc non, faut vraiment qu'on trouve les mortis qu'on veut, là, qui nous manquent. Hein, les mortis qu'on a déjà dans notre équipe. Après, bon, si on trouve un morti, voilà, d'un type qui est intéressant ou un machin, bah on va peut-être le prendre, mais bon, pour l'instant. Oh, j'avais pas vu, c'est un très joli monde, on dirait un monde de Noël. Oui. We wish you a Merry Christmas. Ok, lui m'intéresse pas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Yeah. New Year. On dirait quand je dis loser. Loser. Putain. Ok, on va passer par là. C'est qui? C'est un morti zombie, par contre, je vais peut-être le prendre. Elle est trop chouette. Waouh! Infecté, elle est beau! Peut-être le prendre quand même, niveau 17, ouais. Peut-être le prendre. C'est un type ciseau en plus. Ouais, je vais peut-être le prendre. What? Il absorbe des PV, t'as vu? Ah, c'est une blague, là. C'est quoi ce morti? Pas beaucoup, mais c'est marrant. Pas beaucoup, mais c'est marrant. Il te le faut. J'ai envie de le prendre parce que. Dans l'œil. parce que il est classe, tu vois. Et ça se trouve, je pourrais l'utiliser, je pourrais trouver un deuxième morti infecté, tu vois. C'est toujours ça qu'il faut se dire. Je sais pas du tout, bon, s'il évolue, mais bon, en tout cas, voilà, j'ai un morti.
Un nouveau mortier. Okay. Nickel chrome. Donc là, 250 Schmeichel, ça c'est un rhum puissant, un flib. Bon, bah, très bien. Donc là, je peux passer, mais après... Là, je peux pas passer du tout. Hop, là, je suis passé. Ok, c'est bon. On va voir si c'est des mortiers sauvages. Encore l'exo machin, c'est l'évolution, c'est le niveau 2, hein, ça je crois. Oh, ah, bah tiens. Nickel. C'est très bien. En plus, ça n'a pas du tout avec le monde dans lequel ils l'ont mis, c'est trop marrant. Bravo. Il fait pas du tout. Noël. Noël, c'est ça. Bon, je sais pas après si c'est Noël, mais bon. Knock him out, Morty. Ah, et du coup, il s'amène une puce pour dire qu'il te. Oui, que je l'ai déjà, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois en fait. Ça te dit si tu l'as déjà. Ce qui est plutôt cool. Bon, encore une fois, si on arrive à. S'ils se combinent, ce qui serait très cool. On aura quand même un niveau de ouf. Parce que il est 17. 2 niveau 17, normalement ça fait un truc assez ouf. Bon, je me trompe peut-être, hein. ça ne tête aucun rapport. Hein. Mais il y a des chances. Ah, j'aimerais bien qu'il se combine. Moi aussi. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Pip. Très bien, on vient à la crèche. Yeah. Yeah. Ce serait con qu'ils aient pas fait un truc qui se combine quoi, hein, genre un morti zombie, tu vois. Vraiment, qui s'appelle zombie, tu vois. Parce que là c'est morti infecté, donc c'est pas vraiment zombie. Il y a un fantôme. Il prend des risques. Bah je vais voir, attends. On dit ça se trouve, il y a un truc. T'entends la musique? Ouais. C'est un peu Noël, ouais, quand même. C'est un peu Noël. C'est pas totalement Noël. Bon là il y a le karatéka, je m'en fous. Karatéka m'intéresse pas. Est-ce qu'ici il y a quelque chose? Encore le exo machin de niveau 1 cette fois. Bon bah écoutez, allons-y, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, l'eau. Ouais, je vois, c'est ce je souhaite même pas mon morti. Ah il y a l'eau, Tug Life. Tug Life, c'est Rick la tête plate. Alors battons-nous, j'ai pas lu le début donc, mais c'est alors battons-nous. Rick la tête plate. Oh le morti jeune. Salut mon bébé. On va changer pour notre petit morti ciseau de mer. Ouais c'est clair, tu mets morti dans le safe. Alors ça c'est ce que tu seras dans deux niveaux, d'accord? Ah d'accord. Il a hippie comme attaque lui. Bah oui, morti dancey aussi. Je me rappelle pas de ça. Oh la vache. Morti gonflé. Il est gonflé. Allez, on va en balancer morti dancey direct. Cette fois j'ai pas envie de me faire chier. On joue jamais parce qu'on veut le garder, mais... Mais ce n'est pas lui faire plaisir. Ouais, puis là, tu vois, il peut niquer, quoi. Il a hippie, ok. Il a fait pipi. En plus, il rate son attaque, c'est trop top. Par contre, ça va pas le taper, ça va pas le tuer, hein, celui-là. Ah si, oh bah... Ah si... Faut comprendre, des fois. Parce que l'autre avait pas enlevé toute la... Pas la moitié, donc... C'est du hasard, oh... Trop beau, classe. Un matelot. C'est un type... Papier. Pierre. Non. Papier. Et papier, tu prends une pierre? Ciseaux. Non, parce que j'étais pas sûr, donc j'ai tenté. Morti garçon de tête. On va faire une attaque pas typée. Qui fait bien mal. Bah, c'est un coup critique. Donc, nous allons faire une petite attaque, cette fois-ci, de type Michel Denisot. Champ. Bonsoir. Bonsoir. C'est Michel Denisot. Disparition. Zbrek. 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 Oh non. Oh, c'est bon, t'arrêtes de soigner. C'est ça parce qu'il t'a pas perdu une seule. C'est un casse-couille, hein. Un truc de ouf, hein. Ah, bien d'avoir fait une attaque pas typée. Zboom. Changer pour couper. Changer pour couper, ok. Changer pour couper. Changer pour couper. Bang! Ok, peigne. Est-ce que niveau 18, on côtelette? Côtelette, bah là, il va passer 18. Ce serait bien. Bah, il y a des chances. Ouais. Ah, quand t'es niveau 19, oui, exact, ouais, ouais. Boucle. Boucle de ceinture. Passe niveau 18, mon petit. Tu vas prendre une attaque? Non. Non. Il était de type ciseau. Oui, tout à donc fait. Donc nous allons changer pour notre type pierre, morti débraillé, le bâtard. Le petit con.
Le petit con, le petit con. Le mec avec des tétons. Disparition ou coup de tête? Disparition. Bon, oh, bon. Oh. Regard intense. Oh. C'est pathétique, ça m'a fait mal quand même. Il est qu'un niveau de plus que moi. C'est clair. C'est pathétique que ça fait mal. Hein. T'imagines si. Allez! J'ai déjà vécu cette scène. Oh, oh, niveau bien, bien! 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 I'm hungry for petit hour. Papier. Mais c'est un papier. Going down. Je suis pas sûr. Ouais, c'était ça. Peigne. Aïe! Oh! You know, this seems really cruel. Peigne. Oh. It's sensational. Oh, c'est pas grave. It's not gross. It's not gross. I play with my Mortensia. Here we go, Morty. I make a ordinary. Ordinary is the best attack ever. Ouh, il a mal aux fesses. Pourquoi tu dis-moi. Parce que faut que t'aies forcément, pour pas que ça soit trop facile, que tu choisisses un type que tu as plus que les autres. Tu vois. Pour pas que ce soit. Bah, y'a que 5. Y'a 5. Y'a 5 Morty dans l'équipe, donc de toute façon, t'as forcément 2 Morty de plus que les autres. Y'a 5 Morty dans l'équipe et y'a que 3 types, donc ça marche pas ce que tu dis. Ah, pardon. J'ai... Non, c'est juste parce que c'est pour l'histoire, pour que ce soit justifié. Pour que nous on soit le vrai Rick et le vrai Morty du dessin animé en fait. C'est surtout ça je pense. Mais du coup c'est un peu chiant. Alors du coup... Il y avait écrit un truc, Morty et Crash ne peuvent pas être combinés. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais on s'en fout. Alors allons voir si bah, on peut combiner... Ils ne peuvent pas se combiner. Et on peut les combiner. Yo, ah, c'est, le bah, petit c'est ça qu'il voulait dire. Il y a le petit 1. Là ça va, faire... ça va être cool. C'est le Morty infecté forcément. Ah oui, c'était ça. Et le allez, allez. Non, on peut pas le programme. Attention. Wow. Niveau 25, Mortil Parasite. Oh. Bing, bing. Direct dans mon équipe. Direct dans mon équipe. Donc deck, on va changer direct notre deck. Fâche. Eh ben, je suis désolé, Mortil la côtelette, mais t'es obligé de te barrer. T'es le plus faible niveau et t'es type ciseau. Donc, nous allons mettre le type ciseau. Un peu meilleur que toi, hein, si tu veux, à mon avis. Oh, ça, c'est génial. Là, on est au top. On a un Morty, le parasite. Tu sais, regarde, tu vois ce que je dis ici. C'est dis-moi. Ce que je dis. C'est j'écoute. Logique. T'es obligé d'avoir... En fait, il y a 3 types et nous avons 5 Morty. Oui, c'est ça. T'as compris? Non, mais... Mais on peut répéter. On fera hors caméra. On fera hors caméra, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai hors caméra parce que vous avez tous compris dans les commentaires. Ouais. Non, mais je t'expliquerai hors caméra. Et on se fait un bipé truc. Oui. On se fait un bipé truc avant de quitter. C'est la moindre des choses, hein, après tout, vous savez que vous l'attendez. Donc j'espère qu'on aura des coupons à chaque fois, hein, mais... Ouais, attention. Un truc de ouf, s'il vous plaît, un Morty qu'on veut... Le mieux serait un débraillé. Ouais, grave. Là, on a un débraillé, mais on est au top du top de la vie. Ok, et attention. Oh. Morty gazeux. Niveau 20. Niveau 20, alors on a déjà un Morty gazeux. Ah ouais. Alors, est-ce que... Ah, il a pas mis de message. Est-ce que on peut... Le combiné, je sais pas du tout. Est-ce qu'il nous le reste, le Morty gazeux? T'as pas de petit... Morty gazeux. Non, tu peux pas. On peut les combiner. Allons-y. Niveau 20. Ah, ne peuvent pas être combinés, voilà, c'est ça. Donc les Morty gazeux ne peuvent pas être combinés. Bah très bien, bah écoutez, dommage, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, on se laisse là pour cet épisode. On se retrouvera dans le prochain, c'est promis, j'aurai augmenté un peu mes Morty, j'aurai géré un peu le truc. On va aussi noter avec Sandars qu'il nous faut un peu comme Morty, on va voir si les évolutions qu'on peut refaire, des trucs. Là, on doit avouer que notre Morty qu'on a eu là, quand on le voit là, il est ultra classe. Il est non mais deux derniers Morty là, ils sont classe, on a un 24 et un 25 là, ils sont top quoi, c'est vraiment cool. Bon, bah à l'épisode prochain, ciao tout le monde. Salut. Salut.